En Europe, la plupart des vallées alluviales ont été fortement aménagées par l'homme. Rares sont les rivières à l'immobile possédant encore des forêts alluviales pouvant être régulièrement inondées. En Lorraine, une petite portion de la rivière Moselle, dite la Moselle sauvage, a conservé, sur 15 km, quelques attributs des vallées alluviales naturelles de l'Europe. Se pencher sur son histoire aide à mieux comprendre ce que nous avons perdu, ou plutôt ce que nous pourrions retrouver en gérant mieux ces milieux fragiles. On a un fond de vallée qui est encaissé dans des collines qui sont assez peu marquées, constituées de calcaire et de marno-calcaire. Les crues se forment essentiellement dans les massifs montagneux, hein, par les précipitations importantes dans les massifs montagneux. Les rivières avoisinantes ici, qui sont parallèles en gros à la vallée de la Moselle, ont des pentes longitudinales qui sont comparables, mais ont des débits beaucoup plus faibles. Et de ce fait-là, la mobilité latérale, le transport sédimentaire sont aussi beaucoup plus faibles et globalement on a beaucoup moins de transport sédimentaire grossier sur ces deux rivières-là, Meurthe et Vesouze. Lors des crues hivernales, la Moselle charrie de grandes quantités de sédiments et de bois morts. La taille de son bassin hydrologique est à l'image des variations de son débit. Le module interannuel à Épinal est autour de 38 mètres cubes secondes, donc c'est le débit moyen. Le débit de crue entre la crue décennale et la crue cinquantennale varie à Épinal entre 600 et 800 mètres cubes secondes, ce qui est énorme, ce qui induit évidemment des évolutions morphologiques importantes, des inondations, etc., avec un pic de crue en décembre 1947 de 900 mètres cubes par seconde à Épinal. Il faut bien retenir une chose du fonctionnement de cette Moselle qu'on peut appeler sauvage, c'est une morphodynamique active, c'est des processus hydrogéomorphologiques actifs. La charge sédimentaire grossière, c'est ce qui va expliquer l'évolution du profil en long de la rivière, c'est-à-dire de la pente du fond du chenal. On a différents types de charges sédimentaires. La charge en suspension, les argiles, les limons, hein, ça file en suspension pendant les crues très loin. Ça va se déposer où ? Là où les vitesses sont très faibles, dans les zones inondables, à une certaine distance, plusieurs centaines de mètres, du lit mineur, du chenal principal. Il y a les sables qui vont être transportés parfois en suspension, parfois en saltation, au fond du chenal, qui vont se déposer là où les vitesses sont quand même un petit peu plus élevées. Le transport sédimentaire grossier, ce qu'on appelle aussi la charge de fond. On parle de charge de fond parce que c'est forcément transporté par saltation ou roulement au fond du chenal. Cette charge de fond explique aussi la mobilité latérale de la rivière. Cette mobilité latérale liée au transport sédimentaire est un facteur fondamental de la diversité de la mosaïque alluviale dans un fond de vallée. Alors donc là, on a le chenal en eau, avec un écoulement varié. Ensuite, on a un banc vif non végétalisé. Plus loin, on a une végétation pionnière arbustive. Encore plus loin, on a une végétation arborée. Et puis, plus loin, on a la colline avec une végétation qui est non alluviale. Le régime hydrologique de la Moselle est un régime de type pluvial-océanique, avec des hautes eaux hivernales. Il faut savoir qu'une crue, ce n'est pas forcément une inondation. Il y a des crues non inondantes. Il y a inondation, submersion, débordement, à partir du moment où le sommet de la berge concave est dépassé. Là, il y a submersion.
le débit qui correspond au sommet de la berge, c'est ce qu'on appelle le débit à plein bord. C'est-à-dire que les bords de la rivière sont pleins, hein, et on est juste avant débordement. On peut ainsi distinguer différentes enveloppes, hein, qui s'emboîtent. Hein. Le lit majeur, zone inondable, qui peut être assez étendue pour les crues les plus importantes. Le fuseau de mobilité, ou l'espace de liberté aussi. Et puis, le lit mineur, et puis finalement le chenal en eau, avec le chenal d'étiage, qui est occupé par l'eau pendant les basses eaux. La bande active va elle-même éroder, va connaître des évolutions latérales fortes, parfois de plusieurs dizaines de mètres en une crue, et puis parfois même des défluviations, hein, sur plusieurs centaines de mètres de large. Donc la rive gauche ici est la rive concave. Cette berge est érodée par affouillement essentiellement au pied de la berge. À l'opposé, en face, la berge convexe, hein, qui est ici, hein, qui est constituée d'un important banc de convexité graveleux qui est sur plusieurs dizaines de mètres de large, quasiment non végétalisé. Ce qui montre l'importance du transport solide ici et l'importance de la mobilité latérale. Il faut bien avoir à l'esprit que l'écoulement dans un cours d'eau alluvial ne se fait pas que dans le lit mineur, que dans le chenal en eau. Il se fait aussi dans l'aquifère, qu'on appelle la nappe phréatique ou la nappe souterraine. Dans tout le fond de vallée, on a une nappe d'accompagnement ici qui fait 1 à 2 km de large. La profondeur est de 8 à 10 mètres. C'est du gravier dans lequel circule une nappe. La vitesse de circulation dans l'eau du lit mineur est de l'ordre de 1 mètre par seconde. Sous nos pieds, dans la nappe, la vitesse de circulation est de l'ordre de 1 à quelques mètres par jour, donc c'est beaucoup plus lent. Et le volume est très important. Alors il faut bien avoir à l'esprit que les deux compartiments sont en interaction permanente. Alors en situation de basse eau, le chenal draine la nappe. La nappe est un peu plus haute que le niveau d'eau dans le chenal. C'est ce qui explique pourquoi, alors que parfois en été, il n'y a pas plu depuis plusieurs semaines, il y a toujours de l'écoulement dans la rivière. C'est de l'eau qui vient de la nappe, donc c'est de l'eau qui est plus fraîche, qui est à 11 degrés en général ici. Donc ça contribue aussi à rafraîchir l'eau, ce drainage de nappe. Alors maintenant, comment cette nappe est rechargée? On peut se poser cette question-là. Eh bien, elle est rechargée par deux grands processus. Lorsqu'il pleut en hiver, que la végétation n'est pas en période d'activité, et l'essentiel des pluies s'infiltre, reconstitue la réserve hydrique du sol. Une fois qu'elle est reconstituée, c'est la réserve utile, cette eau va s'infiltrer vers la nappe et recharger la nappe. Et il y a un deuxième processus qui est très important, c'est que pendant les inondations, une partie des eaux de débordement s'infiltre vers la nappe et recharge massivement, en quelques jours, en quelques semaines, la nappe. La vallée de la Moselle sauvage est finalement assez peu boisée. Sur l'ensemble du territoire de Natura 2000, par exemple, les forêts ne couvrent à peu près que 20%. Et sur ces 20%, il y a à peu près la moitié qui est jeune, c'est-à-dire qui est issue de la déprise agricole des années 1940. On peut diviser l'ensemble des forêts de la Moselle sauvage, comme dans toutes les forêts alluviales d'Europe, en fait, en deux grands types. Ce sont les forêts qu'on dit à bois tendre et les forêts à bois dur. Donc les forêts à bois tendre sont des forêts qui sont composées de salicacées, c'est-à-dire de grands saules et de peupliers. Dans la vallée de la Moselle ici, l'espèce dominante parmi les salicacées, c'est le saule fragile. Le peuplier noir étant relativement rare, quant au peuplier blanc, il n'y en a pas du tout. Il existe également une deuxième formation qu'on dit à bois tendre et qui sont des formations arbustives qui ne dépassent pas 7 mètres, qui sont formées de petits saules qui se trouvent tous les deux
en bordure de Moselle. En fait, les salicacées, saules et peupliers sont des espèces qui ne peuvent régénérer sous leurs parents. C'est-à-dire que ce sont des forêts qui ont besoin d'être régulièrement détruites, soit par les inondations, donc de manière naturelle, soit par l'homme s'il fait des coupes. Il leur faut les inondations régulières qui apportent des nutriments pour qu'elles poussent. Donc il est logique que les formations à bois tendre se trouvent le long de la Moselle. En revanche, la formation à bois dur, qui est composée d'espèces dont le bois est plus résistant à la cassure, c'est-à-dire le chêne, le frêne, l'orme, l'érable, ceci se retrouve en arrière de la vallée alluviale. Et il y a trois associations végétales là-dedans. Il y a ce qu'on appelle l'aulnay à frêne, qui occupe les terrasses basses, l'aulne et le frêne étant deux espèces qui ont besoin de beaucoup d'eau durant la période de végétation. Et il existe sur les terrasses un peu plus hautes, où les forêts sont un peu plus âgées en général, la formation à bois dur typique, qui est en fait l'espèce la plus riche en espèces ligneuses, qui est faite donc de chêne, du frêne, de l'orme. Enfin, l'aulnay marécageux se trouve dans les petits marécages qu'on retrouve à l'arrière de la plaine ou alors dans les bras morts. Donc d'après ce que je viens de dire, on voit très bien que l'ensemble de ces formations végétales se distribuent en fonction de la rivière. C'est-à-dire que c'est la rivière qui va guider la distribution et la surface de ces forêts. Avant les premiers défrichements par l'homme, qui sont survenus ici il y a à peu près 7500 ans, on avait de la forêt partout, dans le fond de vallée et sur les versants. Donc comme les versants étaient protégés de l'érosion par ce couvert végétal quasiment continu, on avait très peu de fournitures sédimentaires. Donc dans le fond de vallée, on avait des chenaux qui transportaient moins de sédiments grossiers qu'aujourd'hui, avec un fond de vallée très organique, très riche en matière organique, en tourbe, en bois mort, beaucoup d'embâcles. Ça formait très généralement des systèmes anastomosés, à chenaux multiples dont la dynamique était contrôlée essentiellement par la formation des embâcles. Alors un embâcle, qu'est-ce que c'est? C'est un arbre ou une grosse branche qui se trouve dans le chenal. Les paysages changent chaque année. On a chaque année les accumulations de bois mort qui changent, des arbres qui tombent, des saules qui commencent à recoloniser ce secteur-là. Là, depuis 5 ans, la Moselle a repris cet ancien bras. Et on voit qu'elle est en train de recreuser les berges, elle a redéposé des bancs de gravier, elle a fait retomber des arbres qui étaient en berge, ce qui fait que cet aulnay qui était assez dense est en train de s'éclaircir petit à petit et devrait à terme être remplacé par une saulaie qui va recoloniser elle, les bancs de gravier. On est donc ici dans ce qu'on appelle une formation à bois tendre qui est donc dominée par des salicacées et ici le saule blanc et surtout le saule fragile et leurs hybrides. Donc cette partie où nous sommes est une forêt relativement ancienne, elle a bien une centaine d'années. Elle s'est beaucoup étendue à partir de la déprise agricole, mais on a ici des arbres qui ont sans doute 50, voire 60 à 70 ans. On est au milieu d'une prairie qui est un écosystème anthropisé qui est fait pour des usages humains et on voit de part et d'autre la forêt qui avance par tâche parce que justement il y a cette déprise. Et les formations à bois dur qu'on trouve donc en arrière du lit mineur de la Moselle sont les formations végétales les plus riches. En effet, pour des raisons liées à l'hydrologie de la rivière, il y a un certain nombre d'espèces qui arrivent à cohabiter dans un espace aussi réduit. On arrive à peu près à 40 espèces ligneuses si on inclut les buissons, les lianes et les grands arbres. Ce qui est considérable par exemple par rapport aux forêts de moyenne montagne ou de collines qui n'ont pas plus que 5 à 10 espèces ligneuses. Donc ici on est dans une petite forêt qui est une aulnay à frêne, qui sont donc les parties relativement humides mais loin du lit mineur. On voit tout de suite l'architecture étagée de ces milieux qui sont caractérisés donc par un encombrement végétal maximal au niveau du sol et dans les 15 premiers mètres et un encombrement moindre dans la canopée. C'est-à-dire que les arbres en fait, dans la canopée n'arrivent pas à occuper tout l'ensemble du volume. Ce qui explique l'importance des trous de lumière qu'on voit d'ailleurs derrière. Et la lumière est encore augmentée justement dans les aulnays à frêne par les chenaux temporaires qui traversent la forêt. Ici il est à sec mais au printemps il était couvert d'eau. Il devrait exister une formation à bois dur encore plus complexe et plus riche en espèces, dominée par le chêne, l'orme et le frêne. Cette formation, de loin la plus précieuse, a pratiquement disparu de la vallée de la Moselle au profit des cultures.
Il en subsiste de beaux exemples le long du Rhin grâce à sa position de fleuve frontière. Nous sommes ici dans une forêt alluviale à bois dur, sur l'île de Rhino, le long du Rhin. En Europe de l'Ouest, l'ensemble des forêts de terre ferme, je dirais non alluviales, sont dominées en plaine par le hêtre, essentiellement Fagus sylvatica, dans les plaines alluviales ou les plaines collinéennes par le chêne et le charme, qui sont donc des espèces relativement compétitives, qui limitent la croissance des autres espèces dans la canopée. Donc ce sont des canopées pauvres, qui filtrent beaucoup la lumière rouge qui est nécessaire à la photosynthèse. Dans les forêts alluviales du Rhin, la compétition est limitée parce qu'il n'y a justement pas le hêtre, qui ne supporte absolument pas les inondations de début de printemps d'été. Alors comme il est éliminé par les inondations, et bien toutes les autres espèces qui pourraient y pousser arrivent à la canopée et forment ces forêts qu'on appelle forêts de lumière en fait. Les forêts du Rhin, on appelle ça des forêts de lumière ou la jungle rhénane. Les autres espèces qui viennent ici ne sont pas naturellement très compétitives, donc elles coexistent pacifiquement à différentes hauteurs, à différents âges. Rien que ça explique l'hétérogénéité de la voûte forestière. Mais il y a d'autres éléments évidemment qui expliquent ceci. C'est d'abord le fait qu'il y ait beaucoup de trouées, puisque les arbres tombent souvent à la suite des inondations. Un facteur qui peut expliquer cette voûte tellement irrégulière, c'est l'indentation des chenaux à l'intérieur de la forêt, qui coupe la forêt et qui permet des entrées latérales de lumière. Alors le fait qu'il y ait une telle densité, une telle luxuriance dans les sous-étages, explique aussi qu'il y ait beaucoup de buissons, de lianes et de petits arbres, qui empêchent les juvéniles des grands arbres d'atteindre la canopée trop vite. Et je peux encore ajouter un dernier facteur qui va limiter et qui va expliquer l'hétérogénéité de la canopée, c'est l'importance des grandes lianes qui lient les arbres entre eux et qui également constituent un obstacle à une forêt fermée. Les lianes ont besoin de lumière, de nutriments et d'eau. Elles trouvent tout ceci ici à profusion dans un univers qui en plus n'est, où il y a plus de coexistence que de compétition. Donc ici, on est sur ce qu'on appelle les bancs vifs ou les grèves, c'est-à-dire ce sont les zones qui sont découvertes par la Moselle durant sa période d'étiage qui dure à peu près du mois de juin jusqu'au mois de septembre. C'est pas très rose de vivre sur des milieux aussi temporaires qui sont soumis à certains stress. En bordure de cours d'eau, ce sont des remontées d'eau qui peuvent arriver durant tout l'été, qui peuvent ennoyer les plantes, donc il faut que les plantes y soient habituées. Dans les parties plus élevées, les plantes souffrent souvent de sécheresse, notamment au cœur de l'été. Donc le milieu est difficile à coloniser et il est temporaire. Tous les ans, la Moselle arrache et enlève cette végétation. Donc c'est un milieu ouvert, naturel, mais à des conditions très particulières qui n'existent que lorsque la vallée alluviale est bien préservée, c'est-à-dire que lorsque la rivière a un cours d'eau mobile. En fait, ce sont des écosystèmes qui sont composés de plantes essentiellement herbacées. Ce sont des plantes qui sont souvent de durée de vie courte, qui vivent un an ou deux ans, il y a à peu près un quart de plante annuelle. Ce sont des plantes qui sont également nitrophiles, elles ont besoin de beaucoup de nutriments et évidemment ces nutriments sont apportés par l'inondation. Alors comment viennent ces plantes? En général, elles arrivent vite parce qu'elles sont à l'état de graines dans le sol, soit elles sont dans les interstices des graviers ici, ou alors elles sont accrochées au bois mort parce qu'il y a souvent beaucoup de bois mort échoué sur les grèves, ou alors elles se trouvent dans les petits buissons, dans les saulées qui sont là, à l'abri dans les sédiments, ce qui leur permet donc de coloniser extrêmement vite. Comme ces milieux sont justement très instables, ils sont très favorables aux espèces qui ne sont pas indigènes, c'est-à-dire ce qu'on appelle les plantes exotiques. Avec l'augmentation des échanges intercontinentaux, il y a de plus en plus de plantes exotiques qui envahissent nos milieux et ils atterrissent souvent ici le long des grèves ou alors sur les parties un peu plus élevées. Donc ici, les plantes qui sont les plus envahissantes, c'est la renouée du Japon, l'impatience baldingère, le topinambour. Ces plantes s'intègrent parfaitement et on ne peut de toute façon pas les éradiquer. Si vous voulez, quelque part, ce sont des milieux qui sont naturellement accueillants à tout ce qui est exotique et il faut finalement pas les préserver, mais on ne peut pas lutter contre. Ça fait partie du système lui-même. Autre élément remarquable du paysage ici, c'est que la rivière est en position d'appui contre le versant marno-calcaire, qui va bloquer en quelque sorte, qui va contrôler localement la dynamique latérale. Et c'est au niveau de la mobilité latérale de la rivière, du fonctionnement géomorphologique de la rivière, un point dur de la rivière, parce que ce versant marno-calcaire s'érode, certes, mais très lentement, beaucoup plus lentement que les rives concaves alluviales constituées de galets et de sable et limon.
On voit aussi ici une accumulation sableuse qui commence à être végétalisée, qui se trouve à 10-20 mètres du chenal en eau. C'est qu'au fur et à mesure des crues, de l'éloignement du chenal vers la rive concave opposée, eh bien, ce banc sableux va continuer de s'exhausser. La végétation va de ce fait se développer davantage. Par rétroaction positive, elle va piéger encore plus le sable et puis après des limons. Et ainsi, ce banc sableux, ce dépôt sableux, va progressivement atteindre le niveau topographique de la plaine alluviale sur laquelle nous nous trouvons. Et c'est un processus de formation, de construction des plaines alluviales, évidemment. Derrière moi, qu'est-ce qu'on voit ? On voit de gros embâcles, donc c'est des arbres entiers, déposés à la fin de la crue, au moment de la décrue, dans le lit principal, dans le lit mineur. Ils peuvent très bien sédimenter et rester en place ici pendant des années, là c'est possible. Soit ils vont être remobilisés et repartir lors de la prochaine crue. Donc les embâcles vont réduire la section d'écoulement, vont repousser le courant vers la berge opposée souvent et vont donc accélérer une érosion latérale. On voit une encoche d'érosion qui est bien marquée et qui est liée à la formation de ces embâcles ici. On remarque aussi que cette accumulation d'embâcles est à l'origine de la formation d'un nouveau chenal. Donc on voit bien ici à quel point les embâcles contribuent à la dynamique géomorphologique latérale des cours d'eau, puisque là on a une formation d'un chenal secondaire, ce qui multiplie les habitats aquatiques. Et de façon générale en Europe maintenant, on considère que l'introduction d'embâcles dans une rivière fait partie des mesures de réhabilitation, de restauration parfois, enfin de gestion environnementale des cours d'eau. Vous avez ici des troncs entiers d'aulnes, de saules, des branches qui participent au transport solide, qu'on peut aussi appeler l'essai de crue, parce que les crues mobilisent beaucoup ces bois. Et ils ont une importance absolument capitale dans le fonctionnement des écosystèmes. Pourquoi ? D'abord, c'est une ressource de nourriture pour énormément d'insectes, xylophages et autres. Même si on prend des petites crevettes d'eau douce, qu'on appelle des gamars, qu'est-ce qu'ils mangent ? Du bois mort. Ça diversifie le milieu, ça diversifie aussi les écoulements du cours d'eau, donc avec des vitesses de courant qui permettent à tout ce petit commerce, tous ces habitants des milieux aquatiques, de trouver la bonne place pour ne pas trop ramer, trop nager ou se reposer. Et puis, c'est également, pour certains poissons, comme la perche par exemple, des supports de frais importants, intéressants, puisque autour de ces supports, la perche par exemple va déposer ses œufs. Les embâcles ne sont pas uniquement fournis lors de l'affouillement des berges par la rivière. Ils peuvent aussi avoir pour origine les activités d'animaux typiques des milieux alluviaux comme les castors, réintroduits dans la vallée de la Moselle dans les années 1980. Les activités des castors influencent donc de manière directe le fonctionnement de la rivière par leur rôle de fournisseur de bois dans le cours d'eau. Sur un secteur comme celui-là, la préservation de la zone, c'est aussi accompagné d'un arrêt
de toute intervention dans le lit du cours d'eau. Il y avait un certain nombre d'opérations qu'on appelait à l'époque les opérations blanches, qui étaient menées par un certain nombre de services pour enlever des matériaux, faire un certain nombre de curages. Sur ce secteur, depuis maintenant 20-25 ans, il n'y a eu aucune intervention, ni de gestion de végétation, ni de curage. Et on voit que c'est loin d'être l'anarchie, que le cours d'eau continue à vivre, qu'il n'y a pas de bouchons qui empêchent complètement le cours d'eau s'écouler, mais c'est une vraie rupture par rapport aux mentalités d'intervention qui pouvaient se mettre en place sur la gestion et la restauration des cours d'eau, où il y a une vingtaine d'années, sur ce cours d'eau, on parlait d'enlèvement de bois mort, de curage, de blocage de berges, d'enrochement, etc., qui sont maintenant des mots qui ont complètement disparu du vocabulaire de la gestion d'un cours d'eau comme celui-là, où en termes d'intervention, on parle de non-intervention. Alors, au niveau de la RNR, ce qu'on a aussi imaginé, et ça, c'est, je pense que c'est un peu une première dans la logique des réserves, c'est le respect entier de ce transport solide et de ses laissés de crue. Et le gros avantage d'une réserve naturelle régionale, c'est qu'il y a un règlement qui l'encadre, qui encadre les activités, adaptées aux besoins locaux, bien sûr. Et dans ce règlement, on a réussi à faire introduire que, sans l'autorisation du conseil régional, il est interdit de déplacer ou d'utiliser les laissés de crue, que ce soit les tas de galets qui se constituent lors d'une crue et que ce soit le bois mort. Sur certains cours d'eau, les embâcles peuvent comme ça rester piégés dans le gravier. Et puis, si la rivière sédimente au cours des décennies, on peut retrouver des embâcles ensuite dans le gravier à l'occasion du creusement d'une gravière, par exemple. L'examen des cernes permet de déterminer l'âge des arbres et de comprendre l'évolution des cours d'eau au fil du temps, inondations, modifications de la dynamique fluviale. Ce qui est important pour nous, c'est que nous disposons avec les cernes d'une mine de renseignements pour reconstituer l'évolution du climat. Partout en France, et dans le nord bien sûr, nous pouvons trouver des arbres dans les sédiments. Reliques des forêts alluviales, ces arbres ont été déstabilisés dans les méandres des cours d'eau, arrachés et ensevelis dans les sédiments. En l'absence d'oxygène, ils se conservent des centaines, voire des milliers d'années, de sorte qu'on peut les retrouver dans ces couches de sédiments. Wir haben meistens hier in den Flüssen Nordfrankreichs, Mosel, Rhein, Marne, Seine, Ob. Ici, dans le nord de la France, qu'il s'agisse de la Moselle, du Rhin, de la Marne, de la Seine ou de l'Aube, nous trouvons la plupart du temps des chênes, à 95%. Mais aussi, ponctuellement, des espèces telles que aulne, peuplier, orme. Ulmen auch. Und aber die Mehrheit der Bäume sind Eichen. Die ältesten Bäume, die wir finden hier, sind Kiefern und das ist hier eine Eiche, also man erkennt das an der schwarzen Färbung. Les arbres les plus anciens que nous trouvons ici sont des pins. Dans le cas présent, il s'agit d'un chêne que l'on reconnaît à sa coloration foncée. Nous pouvons dire que les ensevelissements les plus anciens datent de 14 000 ans avant Jésus-Christ, les plus récents de 800 après Jésus-Christ. Un examen approfondi des cernes permet de préciser quand l'arbre a été déraciné et quand il a dépéri. Damit können wir dann jahrgenau feststellen, wann der Baum entwurzelt wurde, wann abgestorben ist. Also wir nehmen aus diesen Stämmen eine Scheibe, damit wir die Jahrringe untersuchen. Nous prélevons une rondelle de tronc pour en examiner les cernes. Sur cette coupe transversale, nous mesurons la largeur de chaque cerne. L'échantillon est caractéristique car la largeur du cerne dépend du climat, des précipitations et de la température. Nous obtenons ainsi un modèle de croissance pour chaque arbre, ce qui est indispensable pour retracer l'évolution du climat. Beaucoup de troncs que nous avons étudiés proviennent de la Moselle. La vallée de la Moselle est relativement étroite, les eaux ont creusé de nombreux méandres et déposé de très nombreux arbres. Nous avons examiné environ 800 troncs dans la Moselle. Avec ceci, entre autres, on a pu établir une chronologie sur plusieurs milliers d'années afin de retracer l'évolution du climat. Nous sommes sur un bras secondaire de la Moselle sauvage.
Ce qui va être intéressant, c'est de savoir si elle est vraiment connectée en permanence ou non avec la Moselle. Et dans ce cas-là, l'annexe est connectée uniquement par l'aval à la Moselle. On va avoir des annexes qui sont connectées en permanence, c'est le cas du grand court-circuit par exemple, ou des annexes qui sont complètement déconnectées. Et en fonction du degré de connexion, on va avoir un fonctionnement totalement différent. Parce que vous allez avoir des vitesses de courant différentes, vous allez avoir des apports d'eau qui vont conditionner également la qualité chimique et la qualité biologique du milieu. Et si on va vouloir évaluer l'état de conservation de ces annexes, on va s'intéresser à ces trois aspects, le volet physique, le volet chimique et le volet biologique. Alors, dans l'annexe qui nous intéresse ici, on voit qu'au niveau du volet physique, on a des profondes perturbations. C'est une annexe qui est perturbée par l'action des bovins. Les bovins viennent s'abreuver, ils vont donc piétiner les berges, ils vont également avoir des déjections. On a une eutrophisation, c'est-à-dire un enrichissement en azote et en phosphore dans le milieu. On voit au bout de cette annexe un élargissement. Cet élargissement de l'annexe est dû à la présence du pont et de la route, puisque au niveau du pont, on a un exhaussement et l'annexe s'élargit. Sous l'effet de cet élargissement, on va avoir un milieu qui est moins profond. Ce milieu moins profond va être plus sensible à l'augmentation de la température qui va favoriser le développement végétal, qui va aussi favoriser l'eutrophisation secondaire. L'un des enjeux, c'est de trouver des solutions pour limiter le réchauffement thermique estival. Et l'un des moyens, c'est de favoriser le développement spontané d'une ripisylve, parce qu'en été, l'ombre produite par la ripisylve contribue à ce qu'il y ait moins d'ensoleillement direct de l'eau, et donc contribue à limiter le réchauffement thermique des milieux aquatiques en été. C'est quelque chose de très important pour les écosystèmes aquatiques. Par exemple, les truites ne supportent pas des températures estivales supérieures à 20 degrés. Là, on est sur un ancien bras, enfin un bras de la Moselle qui n'est actif qu'en période de crue, mais qui a cet avantage de garder un niveau d'eau régulier pendant toute la période printanière. On a un réchauffement de l'eau qui va permettre le développement très rapide de la végétation, mais également de toute la faune. Et les poissons, qui savent bien repérer, notamment à l'odorat, des sites potentiels comme ceux-là, vont s'en servir pour la reproduction. Alors une espèce phare de poisson qui va se reproduire dans la végétation qu'on pourra voir là, c'est le brochet. Le brochet est bien présent sur la vallée de la Moselle. Sans ces milieux particuliers, il ne pourrait pas se reproduire, donc assurer sa pérennité. Il y a des larves de moustiques en quantité alors qu'on n'est que début avril. Si vous prenez un milieu ouvert à côté de la Moselle, vous n'en verrez pas, ou presque pas. Et ces petites larves-là, les petits alevins de brochet, quand ils vont naître, vont l'utiliser comme première nourriture de base. Donc c'est vraiment des milieux d'exception pour le brochet. Alors là, elles nichent en colonie, les hirondelles de rivage. Mais on a également donc, le martin pêcheur. On peut avoir également ici, on a maintenant le guêpier d'Europe. Donc des oiseaux cavernicoles qui creusent leur cavité dans les berges abruptes. Et sur ces zones de galets, on va avoir la présence d'un oiseau nicheur qui revient ici uniquement pour nicher. C'est le petit grabelot. Et qui est de la couleur des galets, on dirait un petit galet mobile, couleur des galets, et quand il va pondre ses œufs sont de la couleur des galets. En même temps, donc, il se confond avec tous ces milieux, et quand il y a du soleil, il n'a pas besoin de couver, les œufs sont chauffés par les galets.
Dans ces plantes herbacées, eh bien, on trouvera encore d'autres limicoles, notamment des chevaliers. On a ici le chevalier guignette, on peut avoir le chevalier cublant. Et la jeune saulée, hein, alors ça peut être des saules pourpres, enfin des différentes essences de saules, qui vont être plutôt buissonnants, très denses. Et là, ça va être une super cache pour d'autres oiseaux qui, là, eux, construisent leur nid en coupe, avec des herbes. Alors donc, toute une flopée d'oiseaux, c'est-à-dire toutes les fauvettes, les rousserolles, la linotte mélodieuse. Il y a vraiment énormément d'oiseaux, des oiseaux sédentaires, mais aussi beaucoup d'oiseaux migrateurs qui viennent ici se reproduire. Derrière, on va retrouver la vieille saulée, qui peut avoir 30, 40, 50 ans avec des arbres de diamètre assez fort. Ils ont une croissance très rapide. Ils sont tendres, ils peuvent être creusés par notamment les pics, mais en même temps, on va trouver des arbres sénescents, des arbres morts. Et là, il va y avoir tout un cortège d'oiseaux cavernicoles. Et dans le haut de ces grands saules, on va trouver encore d'autres oiseaux qui construisent leur nid, notamment des faucons, le faucon aubreau, qui est très lié à la rivière parce qu'il va se nourrir d'insectes, il chasse surtout le soir. Là, on entend assez loin une mésange. Donc ici, on est vraiment dans une zone forestière. Hein. On peut voir donc ces saules. Si on part de la base de la strate, enfin au niveau des souches, on va avoir le troglodyte, par exemple. On va avoir contre les troncs la mésange longue-queue qui va construire son nid. Et puis quand on monte, eh bien, au niveau des troncs qui vont être perforés par les pics, parce qu'ils trouvent aussi beaucoup de nourriture dans les arbres sénescents qui sont chargés, eh bien, de larves d'insectes. Et on voit à certains endroits des forges où les pics viennent écarter le bois pour prélever les insectes. Et dans ces cavités, elles vont être colonisées par la suite par d'autres oiseaux, et notamment quasiment toutes les mésanges. Toutes les mésanges ont besoin de cavités pour se reproduire. Et dans les gros arbres qui sont brisés, là, on va trouver des nocturnes, et notamment la chouette-hulotte. Dans des bouquets de lierre, comme vous voyez derrière, là où il y a eu certainement des nids de corvidés, eh bien, on peut trouver le moyen-duc. Le moyen-duc est présent, et cette année, il est nicheur, parce que c'est une très bonne année de reproduction de micro-mammifères. Donc, il y a beaucoup de rapaces nocturnes et diurnes. Si on regarde en arrière-plan, on s'aperçoit qu'il y a un arbre qui est un petit peu grignoté. Et c'est un signe de la présence d'un de nos deux plus gros mammifères aquatiques. Je parlais ici du castor, mais avec lui, il y avait aussi la loutre. Hein. Donc ces deux mammifères ont malheureusement disparu de France, on va dire plutôt du côté du Moyen-Âge. Si la loutre est piscivore, on doit être attentif, elle revient. Le potentiel maintenant, avec les mesures de protection, notamment les réserves naturelles régionales, est là par rapport à l'habitat. Et le potentiel trophique, c'est-à-dire la nourriture, le poisson, lui aussi est là. Donc, attendons la loutre. Pour le castor, c'est un peu différent. On l'a aidé à revenir. Hein. Et dans les années 83-84, il y a quelques sujets qui ont été prélevés dans la basse vallée du Rhône, là où l'espèce était encore présente, et ont été introduits sur la Moselle, où nous sommes. L'espèce s'est parfaitement développée. Pourquoi ? Parce que le milieu et la diversité du milieu dans lequel on se trouve lui a permis de trouver et l'habitat et la nourriture suffisante pour s'implanter. Alors cette hutte de bois, en fait, c'est ce qu'on appelle un terrier-hutte de castor d'Europe. On remarque que le cours d'eau derrière a un niveau très, très haut, calme. En fait, le castor rentre toujours dans sa maison sous l'eau. Donc il a une entrée qui est toujours en noyer. On est devant un ouvrage qui s'appelle un barrage, construit par les castors, et qui a plusieurs fonctions. En noyer l'entrée du terrier-hutte, mais aussi créer donc une zone
plus étendue d'eau. Donc par voie d'eau, il va pouvoir atteindre plus en amont des zones de gagnage, des zones de ressources alimentaires. Hein. Alors l'avantage de ces barrages, c'est qu'en amont, il recrée des zones qui sont moins vives, où l'eau est beaucoup plus calme. Donc en fait, une quantité de nouveaux habitats hein, qui vont donc être colonisés par une flopée d'espèces, plutôt inféodées au milieu lent. Je pense aux amphibiens, mais aussi à des oiseaux, il y a du poisson, il y a énormément de choses. Ici, on est sur la Moselle sauvage, dans des milieux courants. Donc on va trouver des poissons qu'on qualifie de réophiles, c'est-à-dire des poissons qui aiment bien le courant. Et pour les plus connus, citons le barbeau ou le hotu. Hein. Mais on va trouver des poissons également ubiquistes comme le chevanne. Et puis des plus petits poissons comme le goujon, voire le vairon. Et puis avec un poisson phare qui revient sur la Moselle, c'est l'ombre commun, extrêmement prisé. Son nom latin c'est Timalus timalus parce qu'il a une chair qui sent le thym. Et c'est un salmonidé, hein. Donc la famille de la truite. Ça c'est les poissons, j'allais dire, presque fourrage pour les carnassiers. En carnassier, on va trouver un peu de brochet, hein, mais relativement peu, et un peu de perche. Bon, il faut savoir que sur une centaine de poissons maintenant qui sont présents sur le territoire national, presque moitié ont été introduits. Hein. Sur la Moselle, il y a un poisson qui remonte le cours d'eau, c'est le silurglane. C'est un poisson assez énorme qui ressemble un peu à un poisson chat, si vous voulez, mais beaucoup plus gros puisqu'il peut dépasser les 2 mètres et qui est un prédateur assez redoutable. Alors ces poissons-là étaient introduits notamment dans les eaux qu'on qualifie de closes. Maintenant, depuis 2006, on n'a plus le droit d'introduire ces espèces, y compris dans les balastères, dans les étangs qui sont fermés. Le seul problème, c'est que la Moselle a du caractère et que tous les ans, elle déborde, elle noie elle utilise tout son imageur et la communication est faite et les poissons se retrouvent dans la Moselle. Sur la vallée de la Moselle, on a beaucoup de zones humides de différents types. On a la rivière, on a différentes annexes, on a des mares connectées, des mares déconnectées, etc. Généralement, les poissons exercent une prédation sur les œufs, sur les larves et sur les adultes. Et un des critères principaux de spatialisation en fait, des espèces, ça va être la présence ou pas de poissons. Donc en fait, tout près du limineur, on va avoir des espèces comme le crapaud commun, la grenouille rousse, le triton palmé qui tolère la présence du poisson, soit parce que les larves arrivent à se cacher, enfin, pour différentes raisons. Et plus on va s'éloigner, plus on va avoir des milieux plus anciens, moins connectés à la Moselle. Et là, on va avoir d'autres espèces qui vont apparaître, comme le triton alpestre, le triton crêté, le triton ponctué, qui eux sont tolèrent très peu la présence du poisson, mais qui là trouvent des milieux favorables, déconnectés de la rivière. Sachant que ces milieux peuvent évoluer, puisqu'à un moment donné, ces milieux-là peuvent être reconnectés. Donc c'est ce transect-là qui est intéressant. On sait qu'à l'âge du bronze, les hommes pouvaient habiter parfois près de la rivière. Il y a des témoignages à Crevéchamps d'installations très anciennes. Lorsqu'on a fait justement les gravières, en fouillant, les archéologues ont fouillé et ont trouvé des traces d'implantations humaines de l'âge du bronze. Donc il y a sûrement toujours eu une utilisation de ce fond de vallée, mais la forêt devait être très présente, au moins jusque vers la fin du Moyen-Âge, début des temps modernes, où on a commencé vraiment de plus en plus à la défricher. Au Moyen-Âge et jusqu'au petit âge glaciaire, on défriche peu à peu pour y mettre des prés à la place de la forêt, donc elle recule. Puis avec le petit âge glaciaire, la Moselle divagant un peu plus, elle a tendance à reprendre un peu parce que les gens s'écartent un peu du fond de vallée. Ensuite, avec la construction de la route et du canal, toutes les parties qui sont soustraites au limageur, elles sont quasiment déforestées. Hein. On défriche tout et on installe des cultures et des maisons. Plus on va vers la rivière en général, plus c'est instable, donc on va laisser plutôt la friche ou la forêt alluviale se développer. Puis plus on s'approche des versants, plus sont des prés. On peut même avoir quelques cultures au plus près des versants, là où la rivière vraiment passe très rarement. Hein. On arrive au 19e, c'est le moment où on a le plus de gens dans les campagnes. C'est-à-dire qu'il y a les progrès de la médecine, de l'hygiène, etc. Il faut cultiver plus, il faut nourrir tout ce monde-là. Donc on a tendance à progresser et à défricher de plus en plus le fond de vallée pour y installer des prairies, pour installer parfois des cultures, etc.
les villages lorrains qui se trouvent sur le plateau, ils ont un ou deux terroirs. Ils peuvent avoir une pente, ils peuvent avoir un plateau céréalier, mais ils n'ont pas la chance d'avoir un bout de rivière quelque part. Alors ça peut être une contrainte, mais c'est surtout une chance pour plusieurs raisons. Parce que ça permet d'avoir un accès au flottage, ça permet d'avoir un accès parfois même à la navigation, parce qu'il y a des vieux écrits qui les font penser qu'on pouvait naviguer parfois sur la Moselle. Donc ces communes-là, elles ont quand même quelque part un atout, parce qu'elles ont plus de place pour leur prairie communale. Quand on a commencé à pouvoir y installer les infrastructures, la route, le canal, ça a favorisé ces villages par rapport à ceux du plateau. Et c'est devenu aussi un atout quand on a commencé à se rendre compte que sous le sol, dans ces vallées alluviales, il y avait les alluvions et que c'était une richesse. Donc pour ces communes, ça a été un moyen de gagner de l'argent en vendant ces alluvions et en transformant finalement leur fond de vallée en étang. Les étangs qu'on peut ensuite louer aussi à des associations de pêche, à des utilisateurs. Donc c'est aussi finalement pour eux une source de revenus. Dans cette nappe alluviale, il y a une nappe phréatique de la rivière justement. Et depuis maintenant des dizaines d'années, on utilise cette nappe phréatique, on la pompe, les alluvions étant en filtre naturel, pour alimenter finalement quasiment tout le sud de la Meurthe-et-Moselle. Donc si on enlève les alluvions, si on les vend au carrier, il n'y a plus de filtre alluvial pour la nappe phréatique. Donc l'eau est de moins bonne qualité. Donc il y a tout un ensemble d'acteurs aux volontés contradictoires. Les carriers qui ont besoin de ces alluvions pour construire. Et puis nous, on est bien contents d'avoir des maisons et des routes aussi. Donc ils ont besoin de ça. Après, il y a les acteurs locaux qui ont besoin d'argent. Les communes, elles ont besoin d'argent pour se financer. Après, il y a les urbains qui voudraient que l'environnement soit protégé, qui voudraient que leurs ressources en eau soient protégées aussi. Alors la rivière, je vous ai dit, ça a pu être un avantage, mais ça a pu être aussi ressenti très longtemps comme une contrainte. Parce que, justement, comme elle divaguait, elle détruisait parfois un moulin, elle détruisait même un village. Chavelot, par exemple, a été détruit, Taon-les-Vosges, ce sont des villages qui ont été détruits par des crues de la rivière. Et puis, tout au long du 18e, enfin, surtout 19e, début 20e, on a des traces de procès, d'attaques juridiques, judiciaires entre les différents acteurs, parce que la rivière ayant cassé une digue, alors à qui doit la réparer? Est-ce que c'est les gens qui ont aménagé des prairies d'irrigation? Est-ce que c'est la commune? Ce qu'on voit ici derrière moi, c'est les restes d'une vanne ou d'une porte d'irrigation des irrigateurs du 19e siècle. Deux frères qui s'appelaient les frères Dutac, Pierre et Antoine Dutac, ont l'idée de convertir finalement les zones peu occupé de la Moselle en prairie irriguée. Donc en amenant comme ça sur des parcelles de l'eau et puis aussi des sédiments fins, eh bien on espère donc faire du foin et vendre cela au régiment de cavalerie. Non seulement il faut creuser des canaux d'irrigation, mais il faut aussi des seuils ou des barrages. Et puis ensuite faire une vanne qui permet à l'eau de passer dans un canal d'alimentation, un canal d'irrigation plus exactement. Et puis ensuite, ce canal se divise en plusieurs petits canaux avec des vannes qui permettent de répartir l'eau sur toutes les parcelles. Ensuite, on creuse aussi des canaux de drainage, parce que quand on amène de l'eau, il faut aussi pouvoir, lors des crues notamment, ou lors des eaux un peu plus hautes, et extraire l'eau de ces parcelles-là. Donc tout ça... c'est bien beau, mais il faut aussi éviter que la Moselle change de cours. Parce que si on met des millions pour construire le barrage, les canaux, les vannes, etc., et puis que trois jours après, il y a une crue et qui casse tout, ça ne va pas. Donc il faut aussi contraindre et corseter la Moselle. On explique qu'on veut convertir des grèves arides en prairies riantes. Très vite, on se rend compte qu'on a très très mal calculé, que c'était très très optimiste. Ils n'ont pas les connaissances en hydrologie qu'on a aujourd'hui. On a mis la Moselle dans un corset, donc dès qu'elle déborde, elle casse tout. Donc ça coûtait très cher aux Dutac, qui doivent sans arrêt réparer. Et donc du coup, eh bien, ils font faillite en 1850. Mais ce système-là, il n'a pas été perdu pour tout le monde. D'abord, il a été récupéré par les industriels. C'est-à-dire que c'est comme si on leur avait finalement amené sur un plateau un terrain viabilisé et alimenté en eau. Ce que les industriels recherchent par-dessus tout. Tout ce système-là, il a été réutilisé aussi par les ingénieurs du canal de l'Est qui avaient, il n'y a pas besoin de construire le barrage pour alimenter le canal, puisque là, il y avait le barrage des Dutac, on n'a qu'à le récupérer. Alors ce système aujourd'hui, il est en partie réutilisé aussi par des microcentrales. C'est-à-dire que certains barrages et certains canaux ont pu accueillir une microcentrale d'un particulier qui vend ensuite son courant à EDF. Alors, mais souvent aussi, ce système, il est à l'abandon, comme on le voit ici. Il ne reste que des traces, des sortes de ruines, en quelque sorte, de ce système des Dutac.
ce pont de Bainville a été déstabilisé cet hiver lors d'une crue importante parce que la rivière est ici en train de s'inciser. Donc le plancher alluvial de la rivière s'enfonce depuis maintenant plusieurs décennies. Pourquoi ? Alors du fait des activités humaines. Il y a eu dans le passé des extractions en lit mineur, donc jusqu'à à peu près 15-20 ans. Il y a eu beaucoup de stabilisation de berges. Or, la Moselle, ici, évidemment, c'est une rivière alluviale dont la charge sédimentaire grossière, le gravier sur lequel on se tient, provient de l'érosion latérale de la rivière. Or, lorsqu'on bloque l'érosion latérale d'une rivière, on bloque les sources de fourniture sédimentaire à la rivière. Donc en crue, la rivière, au lieu de dissiper son énergie, une partie de son énergie par l'érosion latérale, cette énergie sera dissipée par l'érosion verticale, l'incision. Forcément, sur un pont comme celui-ci, vous voyez, on a une pile centrale qui est dans le chenal graveleux. Et bien, si le chenal graveleux s'enfonce, et bien, cette pile, elle est fragilisée quelque part. On a une accélération du courant, une augmentation des forces tractrices à la base de la pile. Donc, il y a une forte sollicitation au pied de la pile de pont. Et donc, il y a eu ce qu'on appelle un affouillement de la pile de pont. Des travaux sont en cours pour réhabiliter ce pont, nécessaire au déplacement des riverains. Mais pour combien de temps ? Car la Moselle va peut-être changer de lit. Nous sommes ici à la connexion amont de ce nouveau chenal qui se forme depuis quelques années et qui est en train de recouper la Moselle tout doucement, lentement, sur un linéaire de 2 à 3 km. Si on laisse faire les choses, eh bien, toute la Moselle va emprunter ce chenal. C'est le processus relativement lent, il faut plusieurs années, voire dizaines d'années éventuellement. D'accord ? Cette évolution, elle est contrôlée de façon générale par des perturbations anthropiques, humaines. Nous sommes ici à quelques centaines de mètres, à l'amont de cette micro-centrale. Et ce chenal de recoupement, ce chenal secondaire, rejoint la Moselle plusieurs centaines de mètres à l'aval de la micro-centrale. Alors qu'est-ce qui se passe ? À l'aval de la micro-centrale, on a une incision. Ce qui fait qu'on a donc l'aval qui s'approfondit, l'amont qui s'exhausse, en crue, ça court-circuite, une grosse partie des eaux, évidemment, passe dans le lit majeur, emprunte ce chenal, et donc la pente, elle est de plus en plus forte entre l'amont et l'aval de ce chenal. Ça explique une augmentation de l'énergie, des forces tractrices, et ça explique aussi pourquoi, finalement, ce recoupement est plus ou moins inéluctable. Donc le gestionnaire essaye de bloquer l'évolution ou en tout cas de ralentir l'évolution. Ça consiste à utiliser des techniques de protection végétale assez simples, pas trop coûteuses. Et vous voyez ici ce qui est mis en place, ce sont simplement des pieux dans le chenal secondaire à l'extrémité amont pour bloquer des embâcles qui peuvent venir de l'amont pendant les crues. Et donc contribuer à ne pas trop augmenter l'écoulement en crue par ce chenal. Ce mode de gestion a l'air d'être efficace, mais il ne faut pas oublier que la vie d'une rivière, à l'échelle de plusieurs décennies, est rythmée par des crues très importantes. On ne peut pas prévoir ce qui adviendrait si une crue d'une telle ampleur survenait maintenant ou dans les prochaines années. En tout cas, il est très possible que le recoupement, ou peut-être un recoupement encore plus important, encore plus long, pourrait survenir au cours d'un événement extrême, hors norme. Alors, en bordure des cours d'eau mobiles, on a un problème important qui est celui des gravières, des extractions de matériaux.
si on place un trou à proximité directe de son lit, il peut avoir tendance, à la faveur de l'une ou l'autre de ses crues, à ce que son lit principal bouge et passe dans ce trou, dans cette gravière qui a été installée. Et en fait, cette situation pose des problèmes hydrauliques très importants, à savoir qu'une fois que le lit du cours d'eau arrive dans ce trou, il a tendance à aller arracher ses matériaux sur la partie amont de son lit pour venir remplir ce trou-là et le combler. Et sur ces quelques mois où en fait la Moselle est passée dans la gravière et a arraché des matériaux à l'amont pour venir remplir cette gravière, sur près d'un kilomètre de long, la Moselle s'est enfoncée en l'espace de 6 mois de l'ordre de entre 50 cm et plus d'un mètre. C'est ce qu'on appelle l'érosion régressive. C'est donc pour cette raison que progressivement la réglementation a évolué pour faire en sorte que sur les secteurs sur lesquels il reste des capacités au cours d'eau à l'immobile de bouger, il soit maintenant interdit de mettre en place des systèmes d'extraction de matériaux. En bordure d'un certain nombre de cours d'eau, et notamment dans les secteurs les plus mobiles, puisque c'est là qu'il y a du caillou à exploiter, il existe un grand nombre de gravières, parfois assez anciennes, comme celle qui est juste derrière moi, et qui ont été creusées vraiment à proximité du lit, il y a moins de 10 mètres entre la gravière et le lit du cours d'eau. Et on se pose la question de voir comment on va réussir à gérer ça dans le temps. Alors première chose, c'est essayer de faire en sorte que le cours d'eau ne passe pas dans les gravières en question. Ceci dit, il y a déjà des travaux lourds qui ont été mis en œuvre pour essayer de faire en sorte d'empêcher la Moselle de passer dans cette gravière. Travaux qui ont été en très grande partie détruits par la dynamique, les crues et l'érosion de la Moselle. Donc soit tous les 10 ans, on remet plusieurs centaines de milliers d'euros pour venir conforter ces protections de berge, ce qui risque à terme d'être quand même extrêmement coûteux et qui n'est pas très productif pour le milieu. En fait, le bureau d'études qui est spécialisé dans les techniques de protection de berge ne nous garantit pas sur un site comme celui-là la tenue de protection de berge, même très lourde, sur la décennie. On imagine de pouvoir en partie les combler avec des matériaux qu'on pourrait récupérer à droite ou à gauche et faire en sorte que elles redeviennent partie complètement prenante des zones de mobilité du cours d'eau, c'est-à-dire comme elles auront été en partie comblées, la possibilité que le cours d'eau puisse de nouveau passer dans ces espaces sans développer à l'amont des problèmes d'érosion et d'érosion régressive. On est là sur un cours d'eau à l'immobile qui est particulièrement efficace à la fois dans son rôle d'alimentation des nappes en eau propre et de digestion des pollutions. Sa capacité à digérer les pollutions fait économiser aux collectivités qui viennent prendre leur eau potable dans le secteur des sommes considérables. Par exemple, l'agglomération de Nancy tire la quasi-totalité de son eau potable dans une prise d'eau potable en eau superficielle sur la Moselle, qu'elle devrait traiter de manière beaucoup plus importante si nous n'avions pas ce secteur qui jouait ce rôle de filtre de digestion de la pollution. Autre chose, et on le voit derrière moi, la quasi-totalité des petites communes du secteur et de l'ensemble des syndicats d'eau viennent prendre leur eau dans la nappe alluviale de la Moselle. Et donc ça veut dire que cette eau est disponible à faible profondeur, d'excellente qualité, avec très peu de traitement pour toutes les communes du secteur. Un élément important, c'est qu'on peut réussir à chiffrer un peu ça. Ça nous a coûté globalement, pour préserver ces secteurs, de l'ordre de entre 1 et 2 millions d'euros. On a chiffré avec un certain nombre de services le coût que ça donnerait si on devait déplacer les captages qu'on voit derrière moi ou aller les chercher plus profond. En première approche, ça nous coûterait 10 millions d'euros pour réussir à changer ces captages qui pourraient être dégradés par l'abaissement de la nappe, par exemple. Et on touche là vraiment un intérêt extrêmement important, c'est-à-dire préservation 1,5 million d'euros, coût induit par la dégradation du secteur, au moins 10 à 15 millions d'euros. Et ça n'est qu'une partie du chiffrage. Quand j'ai dit ça, on n'a pas encore examiné et discuté des services rendus en termes d'inondation, de dissipation de l'érosion, etc., etc. On est dans un paysage qui est typiquement un espace qu'on dit en déshérence, c'est-à-dire que l'homme est parti, il a abandonné des usages anciens qu'on ne connaît pas, mais qu'on peut supposer. Vu la prolifération d'orties, c'est probablement une pâture, voire une pâture avec une forte charge animale. Il faut se dire que lorsque l'homme part et que les milieux ouverts se ferment, le processus n'est pas immédiat. Il peut prendre plusieurs décennies. Dans ce cas précis, cette clairière a au moins 60 ans. Donc la forêt se ferme de l'extérieur vers l'intérieur et va finir par envahir tout l'espace ouvert.
Donc on la reconnaît parce que vous voyez de temps en temps des arbres qui ont réussi à percer et qui vont faire de l'ombre au milieu de la prairie et qui vont accélérer le processus. Et ce qui est inimaginable, c'est qu'il y a 50 ou 60 ans, c'était un pâturage. En fait, le pâturage a été abandonné et puis il y a eu une poussée spontanée. Toute cette forêt accueille énormément d'espèces d'oiseaux. Et en même temps, bien sûr, c'est un refuge bien pour des mammifères, hein, notamment ben, le sanglier, mais aussi le renard. Sur certaines zones, on peut trouver du blaireau. Mais on a également la présence du chat sauvage qui se trouve dans la zone intermédiaire entre la forêt buissonnante et la vieille forêt. Et dans cette vieille forêt, c'est là où il trouvera le gîte. Et dans la forêt buissonnante, il va trouver la nourriture. Un aspect qui nous tient beaucoup à cœur, hein, c'est l'aspect esthétique des milieux. Alors, ses qualités environnementales, ses qualités fonctionnelles, ses qualités en termes de ressources en eau, tout ça c'est extrêmement important. Mais également ces qualités esthétiques qui sont absolument incomparables. Hein, on a ici des paysages qu'on retrouve dans l'est de la France que de manière extrêmement localisée. On a la chance de les avoir ici sur 10 km. Hein, des paysages de grève, des paysages de forêt sauvage qui sont balayés par les courants, qui sont recréés par la rivière, hein, et qui font de ce milieu un milieu tout à fait exceptionnel. L'engagement européen s'est construit, en tout cas dans le programme de protection, s'est construit sur ces aspects-là. L'engagement des partenaires financiers, départementaux et régionaux, plutôt sur cet aspect-là. L'engagement de l'Agence de l'eau, à la fois sur cet aspect milieu naturel et sur l'aspect ressources en eau. Hein, donc l'ensemble, c'est quand même extrêmement bien organisé, de façon très complémentaire. Quelques années après, l'État a ensuite souhaité inscrire ce milieu sur la liste des zones Natura 2000 de la région Lorraine. Hein, donc c'est pas seulement ce secteur protégé de 360 hectares, mais ça va un petit peu plus loin à l'amont, un peu plus loin à l'aval. Et on a donc finalement un écrin un petit peu plus large que le seul joyau qu'on a. Sur ces espaces maintenant loués, on espérait bien être tranquille pour 60, 99 ans, au moins la durée des baux, voire plus loin pour l'éternité, si j'ose dire. Quand est revenu, puisque c'est un serpent de mer assez ancien, un projet d'aménagement de grand canal entre le bassin de la Saône et le bassin de la Moselle, hein, qui pourrait éventuellement, parmi les hypothèses retenues, passer par cette portion de vallée. Ce n'est pas la seule hypothèse, mais en tout cas, elle fait partie des itinéraires étudiés. Et bien évidemment, compte tenu de l'ensemble de l'énergie qui a été investie dans ce milieu pour sa protection par l'ensemble des financeurs, eh bien, et par l'ensemble aussi des associations de protection de la nature, c'est une idée qui passe très très mal dans les rangs des acteurs du terrain. Et on espère, nous, qu'effectivement, ça a pu faire école ailleurs. Alors bon, il y a des mesures de protection qui ont été mises en place sur la rivière Doubs également, très belle rivière, sur la Loire, bien entendu, ça s'est fait à peu près dans les mêmes temps d'ailleurs. Sur la Drôme également, il y a eu des travaux qui ont été faits. Bon, c'est vrai que maintenant, la dynamique réserve nous a inscrit aussi dans le cadre d'un groupe de travail qui réfléchit au niveau national sur les réserves fluviales. Hein, et ça permet d'avoir tout un brassage d'idées, tout un échange de savoir-faire qui permet de voir un petit peu plus loin. Et nous, l'objectif, c'est aussi de sortir un peu de ces 360 hectares strictement protégé, et puis d'essaimer à l'aval, à l'amont, de façon à ce que, autour de ce gros joyau qu'est ce secteur, eh bien, on ait des petits secteurs relais de nature fluviale, de cette façon-là aussi, qui puissent servir, qui puissent s'inscrire dans un réseau et que ce réseau fonctionne. Alors la notion du beau est tout à fait suggestive. Moi, je parlerais plutôt de la notion du précieux. Et c'est vrai que il y a toute une éducation, toute une animation, c'est pour ça qu'on met aussi pas mal de moyens à l'ensemble des acteurs de ces volets pour faire passer un certain nombre de messages à la population, aux agriculteurs, aux communes avoisinantes, etc. Et c'est vrai qu'initialement, lors des premières discussions, pour eux, la notion du beau, c'était de mettre des gravières qui permettaient d'avoir des systèmes de promenade avec des bancs plans d'eau. Et ce genre de milieu, en fait, était plutôt intégré comme un système de terrain vague
de zones abandonnées et le fait que de ne pas avoir pression sur la nature pour réussir à la maîtriser, à la gérer, etc., ça reflétait plutôt un côté négatif. Donc il y a aussi tout un travail de sensibilisation, d'information de la population pour montrer que ce qui pour eux était un terrain vague, un peu jonché de détritus, ben en fait c'était un milieu merveilleux et le chemin est long pour passer de l'un à l'autre et passe à la fois par la découverte des espèces mais aussi par tout ce que ce genre de milieu peut leur apporter comme élément et comme fonctionnalité précieuse. Aujourd'hui, pour les sociétés occidentales, la nature considérée en bon état de conservation doit aussi fournir des services écologiques. Dans les vallées alluviales encore inondables, il est d'usage de considérer la biodiversité comme optimale lorsque les paysages sont constitués de petites forêts, de bosquets, de prairies extensives et de polycultures. Cette mosaïque garde une empreinte humaine forte. En revanche, on ne parle guère de la biodiversité originelle, faite de vastes forêts alluviales, avec leurs nuées de moustiques, leurs marécages et leurs rivières sauvages encombrées de bois morts. Sans doute parce qu'il s'agit d'une nature qui dérange dans un monde de plus en plus artificiel. L'histoire de la Moselle sauvage, ou plutôt de la Moselle ensauvagée, n'en est que plus exceptionnelle. Cet espace où les eaux inondent librement des zones anciennement utilisées puis abandonnées à la forêt est un exemple rare de l'expression d'une nature ensauvagée ou d'une nature spontanée après des siècles d'exploitation humaine. Il faut donc poursuivre cet effort d'ensauvagement en conservant la libre dynamique de la rivière et en encourageant l'extension des forêts.